Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les antivols de la marque Kranz. Donc, ce sont des blocs disques. Il existe plusieurs modèles de blocs disques. Ils ont une petite particularité, c'est que ce sont des blocs disques alarme. Ils intègrent une alarme. Donc, je vais vous présenter tout de suite tous ces produits. Kranz est un partenaire de la chaîne Axem Moto. Donc, vous avez en description de la vidéo un lien vers la boutique de Kranz qui vous offre 15% de remise. Donc si vous utilisez le lien pour commander, en cliquant sur ce lien, vous avez automatiquement 15% de remise. Et vous avez aussi un code réduc, le code AXEMMOTO, qui vous apporte lui 10% de remise. Donc je vous invite évidemment plutôt à aller cliquer sur le lien qui est en description, mon lien d'affiliation, qui va vous permettre d'obtenir 15% de remise sur ces blocs. Alors ces blocs disques de la marque Kranz, il en existe 3 modèles. Il existe en premier le VP6, le VD10 et le VD14. Alors, le VD14 et le VD10 sont homologués SRA. Donc, si vous avez une obligation d'homologation SRA pour votre assurance, ce sont les deux seuls modèles qui le sont. Le VP6 n'est pas homologué SRA. La différence majeure sur les trois, c'est la taille en fait de la petite goupille qui vient faire le verrouillage pour 6, 10 et 14 mm. Donc il est évident que plus la taille de goupille est importante, plus la solidité apportée et la sécurité apportée par le bloc disque est importante aussi. Donc quand vous le recevez, vous avez donc le bloc disque dans cet emballage. On va le sortir ensemble. Donc on voit que c'est un produit qui est très très qualitatif. C'est vraiment une belle fabrication quand on le voit. Il est assez lourd, ça sent la solidité. Vous avez dessus donc la goupille de verrouillage, la clé de sécurité et il intègre à l'intérieur ici le module alarme. Donc le module alarme, on n'est pas obligé de le faire fonctionner. Quand vous allez mettre votre bloc disque, vous pouvez choisir d'activer l'alarme ou non. L'alarme, elle va détecter une vibration, un choc au niveau du bloc disque et elle va déclencher une sirène de 120 décibels. Le bloc disque est connecté à une application sur votre téléphone. L'application va vous permettre de paramétrer l'activation, la désactivation de l'alarme, de paramétrer le volume sonore de la sirène, la sensibilité aux vibrations, le temps de latence entre la détection de la vibration et le déclenchement de l'alarme. Alors, je vous fais une petite démo sur la FJR. Donc, quand votre bloc disque est activé, que le module alarme est dedans, vous venez de l'ouvrir. Quand vous venez le mettre de manière classique, je passe mon bloc disque, je le ferme, je le pose. Là, l'alarme n'est pas activée. Donc là, on a la fonction bloc disque standard, sans alarme. Là, si je viens le bouger, il ne se passe absolument rien. Si je veux activer mon alarme, donc voilà, là, mon bloc disque est en mode stand-by. Si je veux activer l'alarme, j'ouvre le bloc disque, je le passe une fois, je l'enlève, je le remets, là on a le petit bip, je viens le verrouiller, et là l'alarme est active. Donc là si je viens bouger le bloc disque, voilà, donc là j'ai eu le petit signal, l'alarme est maintenant activée. Donc là si je viens secouer la moto ou bouger le bloc disque, on a un petit bip qui va retentir et puis qui va vous signaler que l'alarme va se déclencher. Et après, vous avez la sirène qui se met en route. Donc je le bouge, le petit bip. Et la sirène 120 décibels qui vient de me détruire les oreilles. Alors maintenant, je vais remettre le bloc disque et puis je vais vous montrer comment ça se passe sur l'application, les réglages que vous pouvez faire. Voilà ce qu'il est possible de faire avec l'application Kranz. Donc ça ressemble à ça. Donc là, on voit que mon bloc disque est connecté. Vous avez le niveau de la batterie, donc il y a une pile lithium dans le module alarme. Donc là, on est à 100%. Le volume de la sirène qui peut être réglé ici. Voilà. Le volume de préalarme, donc la préalarme, voilà, c'est le petit bip avant déclenchement de l'alarme.
Ici, vous pouvez régler la sensibilité au choc, la sensibilité au mouvement. Là, le timer d'alarme et le timer de préalarme. Vous avez aussi la possibilité d'activer ou désactiver l'alarme. Si vous ne voulez pas vous servir du module alarme, vous pouvez complètement le désactiver. Et là, on a un petit compteur en fait des activations et du fonctionnement du bloc disque. Voilà. Donc le système connecté, il ne va pas vous mettre des alertes sur votre téléphone. Il ne va pas vous donner des alertes sur le téléphone quand il y a un déclenchement. Il permet juste de paramétrer le bloc disque. C'est tout. Alors voilà pour cette vidéo de présentation des produits Kranz. Donc c'est vraiment des produits que je trouve de très belle qualité. Vraiment la qualité de fabrication est vraiment jolie. Ça respire quand même la solidité. C'est homologué SRA, donc aucun souci pour les assurances. Et ce que je trouve super avec ce produit, bah, c'est qu'en un seul produit, vous avez un bloc disque et une alarme. Et après, vous n'êtes pas obligé d'activer l'alarme. Donc, je peux faire la fonction bloc disque classique et la fonction bloc disque alarme. Donc, tout ça pour des tarifs aux alentours de 80 € en moyenne, voire moins avec la remise que vous avez avec mon lien d'affiliation. Donc franchement, si vous cherchez un bloc disque un petit peu évolué, un bloc disque alarme, là on est sur un bloc disque qui ne se contente pas de sonner quand on l'a oublié, on est sur un bloc disque qui va détecter aussi des mouvements de la moto, donc un vrai système bloc disque alarme. Je vous invite vraiment à aller découvrir ces produits, je vous invite à profiter de mon offre pour les acheter et puis à me faire un petit retour. Faites-moi un retour, donnez-moi votre avis sur la vidéo, sur les réseaux sociaux pour me dire un petit peu après votre achat ce que vous avez pensé de la qualité des produits Kranz. Dernier petit message avant de nous quitter, pensez que j'ai créé maintenant le système d'abonnement à 99 centimes par mois qui vous permet d'accéder au serveur Discord privé de la communauté sur lequel vous allez pouvoir bénéficier de toute mon aide en mécanique, une vraie plateforme d'entraide mécanique sur laquelle je suis connecté tous les jours pour venir vous aider de façon communautaire dans les salons où tout le monde a accès ou de façon privée si vous voulez communiquer directement en message privé avec moi dans l'entretien de vos motos. Vous allez retrouver des infos pour votre atelier, des infos pour votre moto. Vous allez profiter de toute la base de données techniques que j'ai aussi. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est seulement 99 centimes par mois, c'est rien, c'est même pas le prix d'un café. Et vous allez accéder à la superbe communauté Axiom Moto qui est en train de se créer. Voilà. Encore un grand merci à Kranz d'être en partenariat avec ma chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les produits vont vous satisfaire en termes de qualité et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.